d'agneau qu'allons nous parler. À quoi je veux raison. Papa. Il faut attendre. Raison. Tu fais la photo là. Non, la photo. Il faut attendre qu'il soit. Comme ça, là, tu ne pourras pas. Tu vas faire des photos pour rien. Président Jossard. Un instant, papa. Allez-y. Président Jossard, vous venez de rencontrer le chef de l'État dans le cadre des consultations. Nous sommes curieux de savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président de la République. Nous avons tenu à lui remercier parce que, comme nous venons de le dire, c'est une première depuis que notre pays est Congo que une autorité convie les artistes réussis que nous sommes à participer à une consultation. Nos papas, nos aînés qui étaient à table ronde, ils étaient partis, même papa, pas pour participer, ils étaient partis pour agrémenter la table ronde. Et là, c'est une première. Et nous lui avons remis notre mémo que nous avons préparé. Et il a répondu à certaines questions pour certains de nos désidérata. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Parce que le tout était réservé à lui-même. Mais aujourd'hui, il vous convoque parce qu'il consulte. Alors, le président de la République vous a reçu parce qu'il convoque. Il consulte, pardon, pour trouver une solution à une crise politique. Vous êtes également citoyen, vous côtoyez également le bas peuple. Qu'est-ce que vous lui avez dit, en gros, comme piste de solution? Oui. Un, deux, trois, si on peut le citer. Ce que nous lui avons dit, c'était réservé pour lui. Vous plaidez pour lui. Parce que celui qui nous a invité, il a voulu nous consulter, chose qui n'a jamais été faite ici. Nous avons toujours été considérés comme les filles de joie, mais aujourd'hui, nous sommes honorés. Voilà. Est-ce que vous pouvez garantir à la population congolaise qu'ils sont en train de suivre en direct? Hein? Les garantissez. Qu'est-ce que vous allez leur garantir en parlant avec le président? J'ai pas bien compris votre question. Qu'est-ce que vous allez garantir à la population congolaise en tant que. C'est pas nous. D'apporter une garantie à la consultation. Excusez-moi, madame. Ce n'est pas nous, artistes musiciens, d'apporter la garantie, une garantie par rapport à la vision de ce président, par rapport à son discours du 23 octobre. Il a si bien dit qu'après les consultations, il va encore revenir à la population. Ce n'est pas à nous. Président Nyokalongo, des questions à l'Igala. Il a dit que les musiciens ont un problème aidé. Ici, il a évité ce qui la carrière de la population. Parce que si on a un droit d'auteur, on peut pas me dire. Est-ce que vous voulez que ma campagne? Donc, c'est mes mots, où ils ont la carte, c'est pas comme ça. Oui, mais il a CP parce que question des outils. Et pas il y a eu, on va dire, sans journaliste. D'abord, il ne peut pas faire l'émission, parce que nous sommes dans l'émission, dans la chaîne de la télévision, dans la radio. Parce que nous sommes, je dirais, nous sommes avec nos œuvres, nos œuvres, nos alliés, combat actionnaire de la chaîne de la télévision. Parce que sans une œuvre d'esprit, la télévision pour ça la tête, la radio pour ça la tête, vous pouvez faire la mise au terme. Il y a non seulement la carte qui a même entreprise mon coach à Boca, à l'objet que on a battu, bon mois après, à vous-même, ça me secoue à l'exception de France. Président Jossard, Narobi Manabino, pour vous, la chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peuple congolais, bateau peut bailler au carabinier, le corps de dictateur en masse, pour retenir mille après que vous avez dit tant que l'artiste ne sait plus responsable, pour le moment, il ne va pas la peuple congolais. Pour le peuple congolais, vous avez dit qu'on a mis ce celui-là. A MC Bisson, la Mikolo, on a resté ça sans être à terme de communauté. Je crois beaucoup qu'on met là où Bisson, le revêt à prendre la parole. Merci. Merci, merci. Je suis fini pour aujourd'hui. Merci.